Est-ce qu'il vient réellement de confondre les toilettes avec une piscine? Certaines personnes ont eu droit à d'énormes fails dans une piscine, que ça soit en sautant d'un plongeoir ou même avec une tyrolienne. Des personnes qui ont dû regretter d'aller à la piscine ce jour-là, d'autant plus que leurs fails ont été filmés. J'ai pu en recenser quelques-unes de ces vidéos et nous allons les voir ensemble aujourd'hui. Mais en attendant, bonjour à tous! C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les pires fails à la piscine. On commence avec une vidéo énormément connue sur internet et qui est en plus française. On y voit tout d'abord un homme filmer une après-midi entre amis. Sauf que l'un d'eux va tout simplement sauter à l'eau et littéralement se lâcher. Le roi de la merguez. Vous l'aurez vu, on y voit tout simplement l'homme déféquer dans l'eau devant tous ses amis, sans même bouger de la piscine. Il n'a pas dû retourner à l'eau de sitôt et a dû avoir la plus grosse honte de sa vie. On continue avec la vidéo d'un jeune homme qui va sauter de son toit pour rebondir sur un trampoline et atterrir dans la piscine. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Comme on peut le voir, il a tout simplement été projeté à pleine vitesse contre la piscine. Heureusement qu'il a pu se retourner à temps. Pour cette vidéo, on voit tout simplement une femme sur un tricycle en train de rouler autour d'une piscine. La suite, vous la connaissez. La trottinette a tout simplement lâché à cause du poids qui n'était pas adapté et elle a fini à l'eau. Le plus drôle reste tout de même la réaction du chien blanc qui est plus intéressé par son maître que par sa maîtresse. Cette vidéo illustre bien le fait qu'il faut toujours attendre son tour avant de pouvoir sauter d'un plongeoir. Cette femme était prête à sauter lorsqu'une autre personne est arrivée juste à côté d'elle au bord du plongeoir, ce qui a fortement déstabilisé celle qui était toujours sur le plongeoir. L'autre personne a sûrement effrayé la femme qui, en voulant s'accrocher à la barre, a tout simplement glissé sur le plongeoir d'en dessous, pour finir 5 mètres plus bas dans l'eau. Plus de peur que de mal à mon avis vu qu'on voit la femme sortir de l'eau quelques secondes après y être tombée. Nous venons tout juste de voir que les plongeoirs peuvent être de vraies armes de fail massif, et nous allons encore une fois le prouver avec cet homme qui s'apprête à sauter dans la piscine depuis un plongeoir. Why didn't you jump? Le plat est probablement une des choses les plus douloureuses qui puissent vous arriver à la piscine. Mais bon, certaines personnes préfèrent le faire quand même. L'impact était très violent, et je n'ose même pas imaginer la douleur qu'il a dû ressentir. Et vous, est-ce que vous auriez osé le faire? Dites-le moi dans les commentaires. On passe cette fois-ci à une vidéo dans laquelle nous pouvons voir une jeune femme qui fait de la tyrolienne au-dessus d'une piscine. Même si tout paraît normal et qu'elle ne semble pas faire d'erreur, croyez-moi qu'elle va avoir droit à un joli fail. Dommage quand même pour le plat sur le dos qu'elle a fait. Allez, pour finir, on passe à un fail monumental. On peut voir 5 amis qui glissent sur une bâche pour tenter d'atterrir dans la piscine, mais ayant tous pris trop de vitesse, ils vont un par un se rater lamentablement. Et c'est plutôt drôle à voir. Il ne nous reste plus que quelques jours d'été, alors profitez bien pour aller à la piscine ou faire un tour en mer s'il vous reste du temps avant la rentrée. Mais attention aux fails que vous pouvez avoir. D'ailleurs, si vous avez déjà eu des fails de ce genre que nous venons de voir, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu aussi pour la route. En tout cas, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Suivez-moi sur Twitter et sur Instagram, les liens sont dans la description. Mettez votre main devant votre bouche quand vous toussez et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.